Salut les amis, c'est Bamé95, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de notre aventure sur Terraria. Donc comme prévu, je vous retrouve ici, à côté de la plage, du côté gauche. Donc je vais poser mon atelier, je vais me mettre dans l'eau. Alors je voulais bouteille d'eau, c'est bon, j'en ai assez. Je voulais des coraux déjà. Pour commencer, alors hop, un corail, on va remonter, hein. Faut pas nier qu'on n'a pas oxygène illimité pour l'instant, j'ai que deux potions, donc voilà. Alors, il me faut une table aussi, donc je vais me créer une table, en espérant avoir du bois, oui, tac, pour pouvoir poser une bouteille, alors une bouteille vide, tac, et là je pourrais me faire une autre potion, une deuxième. Alors, voilà. Déjà on a 6 minutes. 6 minutes, je pense que ça va être limite, au moins 10 minutes, allez. On va aller rechercher encore. Bien sûr. Et j'espère que je vais pas mourir quoi. Je suis mort. Oh les amis, je suis mort. Oh les requins, le requin, je sens que je vais pas mal galérer. C'est vraiment horrible quoi qu'elle soit tombée ici. On va essayer une autre technique, sinon je pense. Bah, je refais une coupure, mais ça m'énerve un peu de devoir refaire à chaque fois le chemin. Ah là là, purée. En plus, c'est long, même avec un petit monde, c'est vachement long. Bon, ça m'embête de refaire le chemin, mais j'ai pas le choix. Hein. Donc, à tout de suite. Re les amis, donc, je relance le timer et c'est reparti. Donc, je crois que j'ai jamais eu autant de malchance quand même qu'elle soit tombée là-dessous, parce que c'est vraiment horrible. Je fais tout pour me dépêcher, mais je suis mort déjà, je suis remort. Par contre, quelque chose qui est bien, c'est que j'ai eu deux nouveaux goblins scouts. Voilà, donc ils m'ont relooté des invocateurs d'armée de gobelins. Donc ça, c'est pas mal. Parce que du coup, je vais pouvoir en invoquer deux fois plus. Et si j'arrive pas à choper la météorite, mais vraiment si j'arrive pas, donc ça veut dire déjà que mon défi météorite est mort. À part si je vais dans un autre monde. Sinon, bah, je fais les trois armées de gobelins pour gagner un max de sous. Et avec ces max de sous, bah, je m'achèterai la mini shark. Et avec la mini shark, bah, vous savez ce qui se passe. Et ben, ça va être du Terror of Duty. Call of Terraria. Un truc comme ça. Voilà. C'est pas terrible. Donc j'ai pris mon lit, hein, pour pas spawner là-bas. En espérant bah, que ça fasse pas de la merde. J'ai ma bah, la table, j'en ai parfaite. On va reprendre la bouteille. Ça. Et voilà. Bah tout à l'heure en fait je crois que c'est un crabe qui m'a tué. Bah on va. Mince, on va pas faire ça comme ça. Peut-être faire la même erreur quand même. On fait vraiment ça à l'arrache. Attendez, je vais quand même pas faire ça trop à l'arrache. Et il marche sur les trucs, sur le continent. Attendez, oh là là, je suis vraiment n'importe quoi. Je perds du temps. Oui, il me cherche. Hein. Et t'as un problème, mec. Crabe, plutôt. Voilà. Alors. Et il revient en plus. Ah ouais, tu me cherches, quoi. T'es comme ça, toi. Tu drop quoi, d'ailleurs? Juste de l'argent. En fait, tu sers à rien, quoi, autant dire. Ok, alors là, est-ce que je peux me refaire? Est-ce que j'ai récupéré un corail tout à l'heure? Je ne crois pas. Bah, d'ailleurs, j'ai pas remis la bouteille, donc je risque pas de le savoir. Non, j'ai pas de corail sur moi. Hein. Non. Alors, la bouteille, je l'ai prise. Voilà, elle est là. Tac, normalement, je peux me faire... je peux me faire ma potion, voilà. Alors. Encore un crabe. Étonnant. Je crois que ça repousse hein, les coraux. Alors. Là c'est bon, là je suis bon là. Enfin, c'est un peu bizarre comment je le dis. Hop. Hop là, c'est bon. Non, ouvre la porte. Voilà. Alors, là je vais pouvoir me faire 4 potions. Donc 2 x 7, 14. 14 minutes. C'est bon.
Alors je vais quand même essayer un truc, même si j'y crois pas trop. C'est creuser. Bon, on va essayer. Enfin, je vais essayer de creuser, mais super profond dans la terre d'ailleurs. Avant que ça vienne. Hop. On va boucher avant que les zombies nous vont dessus. Quand il sait que je suis là, il m'a vu, non? Hop, donc on va essayer d'aller creuser sous la mer. Dès qu'il n'y a plus de sable, je tourne à gauche, en fait, dès qu'on arrive vers la pierre. C'est la jungle? Non. Ah non, c'est juste des lianes. On arrive vers la terre, là, je pense. Dès qu'on arrive à la terre, en fait, je vais... Je vais aller sous la mer, en fait, vers la météorite. Et comme ça, ça sera bien. C'est tout. Par contre, en fait, je suis en train de faire un puits là, parce que le sable il est illimité. Alors, espérant que le sable normalement il va rester à la même hauteur. Hein, mais... voilà. Où il va remonter, je sais pas. Je vais essayer de voir comment ça évolue. Le dessous de l'océan. D'ailleurs, une caverne. Tant mieux, ça nous éviterait de creuser trop. Ah ouais, non, c'est vraiment, c'est pas vraiment une caverne. Alors. Ça comme ça. Et voilà, allez c'est parti. On creuse. C'est pas très intéressant, mais bon, ça va me permettre quand même de d'y aller sans utiliser trop de potions. Bon, et les potions, même si je les utilise pas toutes, elles me serviront plus tard à me. À une fois qu'on sera en enfer, bon c'est dans longtemps, parce que tant que j'arrive à faire toutes ces étapes. Ok, du sable. Merde. Tac, tac, tac. Allez, on creuse. Bon, ça va être un peu chaotique comme expédition, mais je crois que je vais être obligé au bout d'un moment d'avoir du sable. De toute façon, tant qu'on voit pas la météorite, on continue. J'essaye. Je ne connais pas encore cette partie. J'ai pas reçu un truc, là, bizarre. Bon. Hop. C'est pas ça, ça va pas très droit quand même mon affaire. Alors, il y a l'air d'avoir une caverne. Lol, du cuivre aussi. Oh non. Oh j'ai ça. Parce que. Ah le sable est illimité. Non pas l'eau est illimitée dans la mer. Vous avez beau vouloir la vider. Parce qu'avant les gens ils inondaient l'enfer en fait. Ils mettaient plein d'eau. Ça rendait la tâche facile, hein. Du coup c'est inondé tout et voilà, et maintenant c'est plus possible, donc parce que l'eau est illimitée et l'enfer ne peut plus être inondé, tout simplement. Et c'est la technique qu'il faisait un puits et il lâchait toute l'eau après dans l'enfer, mais c'est plus possible. Moi, je dis. Bon alors la météorite elle doit être encore super loin, non? On va essayer de remonter un petit peu. Voir si on la voit. Non, je crois pas qu'on va la voir d'ici. En fait, je sais même pas je suis où par rapport à quoi. Donc là, je pense que elle est encore plus loin, quoi. Elle est encore plus loin. Ça va, dans la terre, c'est facile à creuser. Dans la clé aussi. Ah, une caverne. On va explorer. On va explorer un peu. Ah oui, c'est vraiment une petite caverne avec un zombie, ça. Les silverfish, les goldfish font des dégâts. Non. Alors. Oh. Je suis bloqué. Oh le bug. Ah purée, j'aime pas ce genre de bug pourri. Là je ne crois pas que vous savez quoi, on va faire la technique normale, c'est à dire on va y aller comme ça, mais ça m'énerve quoi. J'aurais pu, putain, excusez moi du gros mot, mais là ça m'énerve un peu quoi, devoir faire ça quoi, c'est un peu dégueulasse. En plus il va faire nuit, je vais me taper tous les monstres. Je suis sûr que j'ai plus de place dans mon inventaire. Alors on va acheter des wooden platforms, regardez de la pierre sur nous, comme ça on pourra
poids rebouché, le savon acheté, ça me sert plus à rien. Ça me sert à rien. Les flèches. Allez, Wooden Arrow, au revoir. Vous êtes le maillon faible, ça on jette. La clé on jette. Et voilà. Donc si j'arrive pas, vraiment ça me saoule. Même si ça serait vraiment dommage. Là c'est vraiment l'extrême truc que ça arrive qu'à moi, ça c'est genre situation. Si vraiment non, je vais mourir. Mon curseur il est sur la droite, comment ça se fait qu'il met vers le haut? J'ai pas compris là. Mais c'est tombé, de toute façon bah je me prends tout dans la gueule donc. Oh non, mais le guide il s'approprie toutes les maisons, le guide. En plus je lui ai dit d'aller dans la maison. Naze. C'est vraiment n'importe quoi, c'est freestyle. Oh, tous les monstres, lui. C'est 300 points de vie là. Je peux rien faire, 300 points de vie quoi. Un requin, 300 points de vie. Tu le tranches en deux, le requin, normalement il se perd tout son sang, il fait plus rien, il fait pas le malin. Mais 300 points de vie, mais ils ont fumé quand ils ont fait le jeu en moi. Hop, c'est parti, je sens que je vais gâcher des potions. Peut-être que quand... Voilà. Peut-être après que quand on en a tué un, il y en a plus d'autres. Enfin, c'est rare. On va essayer d'aller à la météorite quand même. Pas mal quand même de coraux. D'ailleurs, je me suis un peu énervé, excusez-moi. Mais c'est normal que je m'énerve parce que ça m'énerve. Hop, voilà. Tranquille. Avec toutes mes potions. Ah non, pas tranquille en fait. Bah il va falloir que je bouge tout le long, hein. Je vais perdre des potions pour rien. Alors bon, il n'y a pas de météorites ça par contre. Petit détail, je sais pas si on tue directement ou... Ouais je ne sais pas. Il y a pas, enfin j'avais pas vu de météorite. Ah là l'eau se vide. Hop. J'ai peut-être moyen, par contre quand je suis à l'air libre je crois que je perds de l'oxygène. Faut pas que je sois à l'air libre. Mais on va faire ça, ça ira plus vite. Hop, on va aller au cœur de la météorite. Je vais laisser juste le dessus de la météorite pour voilà quoi. Hop, et c'est parti. Et si j'arrive, ah ouais, peut-être que du coup je vais pas avoir à... Ah peut-être que ça va devenir bien là. Mais j'ai pas le droit de toucher hein, parce que j'ai pas l'Obsidian Skull, donc j'ai pas le droit de toucher la météorite, voilà, parce que je prends des dégâts sinon. Hop, bon, on va essayer de faire attention. Il me reste 13 secondes de poisson là. Hop, on va faire très très attention, pas comme je le fais là. Hop, on mine celui-là, on fait ça, tac, on continue à miner. Voilà, donc là je perds de l'oxygène et maintenant on peut respirer donc on s'en fout un peu. Et l'eau baisse en plus, alors ça c'est nickel. Récupérer tous les trucs au moindre recoin. Et là je suis content parce que j'arrive à récupérer à peu près tranquillement la météorite. Donc là je vous ai montré vraiment comment réussir parce que ouais, je crois que j'aurais abandonné hein. Mais il me le faut ce pistolet donc voilà, sinon je vais avoir vraiment beaucoup de mal. Parti, on continue. Amener tous les petits trucs. Hein. Hop. Hop, tout ce qu'on peut miner, on le mine. Je vais mettre aussi des petits cubes. Donc ça va me prendre la fin de l'épisode. Hein. Il reste 15 minutes, je pense. Que ça va me prendre tout. Faut pas que je fasse la connerie de creuser. Voilà, on le fera en dernier, ça. Si j'en laisse un petit peu, je pense que j'ai pas besoin de tout non plus. Si j'en laisse un petit peu, c'est pas la mort non plus. Hop. Au moins, j'ai pas besoin d'utiliser de potion. Moi, c'est un peu. Il n'y a pas de météorite, hein, vous voyez. C'est les monstres qui apparaissent quand il y a un biome comme ça. Mais vu que là, il est vraiment mal tombé. Voilà. Oula, Europe Server, ok. Je sais même pas ce que c'est ça. Ouh, elles ont tous spawné d'un coup, vous avez vu. Je pense
Hop. Alors, on va miner celui-là. Donc, pas grand-chose d'intéressant. Peut-être que je mettrai rien du tout. Non, je vais dire peut-être que je mettrai une musique de fond, mais je pense pas. Après, droit d'auteur. Voilà. Hop, pas très intéressant. Je devrais peut-être mettre en accéléré. Mais il peut y avoir tellement de fails à tout moment que bah, j'ai envie de laisser tout, en fait. Voilà. C'est dit. Si, je sais pas, il y a quelque chose qui spawn derrière moi ou des météorites qui arrivent et qui m'y attend pas, même si je les vois arriver. Puis elles sont tellement lentes. Enfin, oui, voilà. S'il y a du fail, y a des fails qui arrivent. Hein. Si je me fail, tout simplement. J'avais un peu à parler, mais c'est le soir, là. Ah. Oh, non! Oh non, 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 j'ai réussi à arriver là, hein. C'est pas pour mourir, on va reprendre une potion, même, tellement j'ai pas envie de mourir. Hop, j'en ai combien là déjà? J'en ai 104. On a de quoi faire quelques lingots déjà. Ça va pas très vite avec ma pioche, peut-être c'est parce que c'est sous l'eau. Je crois que c'est ma pioche. Hop. Alors, on continue à creuser cette météorite mal tombée. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Donc aussi, je sais pas si vous saviez, mais je pense. Donc j'ai migré sur YouTube, je me répète beaucoup, hein, je sais. Et donc je vous invite à aller la voir, aller dans la dans ma cube box. La chaîne, donc c'est Bamut315TV et je fais. En fait j'ai fait une pause sur ma chaîne Dailymotion. Je ne l'ai pas quitté réellement, mais j'ai fait une pause. Pour essayer donc l'aventure YouTube, mais je crois que je l'ai déjà dit il y a 2-3 épisodes, alors je me répète vraiment beaucoup, je m'en excuse, mais c'est mon petit côté je radote, mon petit côté je suis vieux, même si j'ai que 15 ans. Hop là. Bon, en tout cas ça avance, vous voyez, je laisse toujours le truc d'en haut parce que sinon bah, l'eau elle va me tomber dessus, et vu qu'elle est illimitée, bah, ça me ferait un peu bizarre. Enfin, je pense qu'elle est limitée, hein. J'avais compris ça dans une dernière mise à jour, qu'ils avaient rendu l'eau de la mer illimitée. Après, je peux me tromper. Ça arrive à tout le monde. Au moins, je récupère pas mal avant de mourir bientôt. Et il y a tous les monstres. Ça va, il n'y a pas trop de requins, parce que sinon, ils seraient en train d'attendre en haut, je pense. Donc, ça va encore. Hop. Bientôt, j'aurai plus besoin de... L'eau sera tellement basse que j'aurai plus besoin de... d'en monter à chaque fois. Et ce moment, ça va être bientôt. Allez. Non, on va arrêter de faire l'idiot. Prendre une potion. Toucher le plafond, c'est pas bon ça. Alors, récupérer toutes ces bêtises encore. Non, la sable va me tomber sur la tête. Ah bah, de toute façon, il tombe sur la tête dans tous les cas. Et je suis vraiment un boulet. Ah, ça va être un petit peu plus dur de le récupérer. J'essaie de faire avec. Il me reste 11 minutes. Bon, ça va. Je vais s'arrêter rapidement. Alors, on va essayer de poser des blocs. Toucher, pas de bêtises s'il te plaît Bamio, pas de bêtises. On ne passe pas là, donc je fais ça, ça c'est cool. Allez, on y est presque. Alors je pense qu'au passage on va pouvoir voir s'il y a des un coffre au fond de ce de cet océan. Alors on va faire gaffe au sable au-dessus. Enfin quelque chose qui n'est... Bon, il est bugué, mais... Enfin quelque chose que j'y arrive, quoi. Que je réussis. Je commençais un peu à désespérer sur cette map. On va rajouter des blocs, hein. Excusez-moi, j'ai... Voilà. J'ai pas trop confiance en ce que je fais. Un fail arrive si vite. C'est un nouveau dicton, je sais pas si vous le connaissez. Ah, en plus je fais ça sans obsidian skull. Encore plus risqué.
Non mais je suis con. Excusez-moi mais... Oui, c'est vrai, je suis con. Alors, petite potion encore. Allez, c'est parti, on n'a pas peur, on récupère tout. Même si j'ai un peu peur du fail, comme je l'ai dit. Hop, 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 hop. Non. Allez. On récupère ça encore. Là, je sais pas si ça va l'arrêter vraiment l'eau. Je crois pas. On va pas creuser ici. Ah, un requin, il m'attend comme par hasard presque quand j'ai fini. Alors. Pousse-toi toi là. On va faire ça plutôt. Alors, allez, tentez de récupérer. Ah, c'est bon, ça tient. Ah, c'est vraiment show time. Non, pas autant, mais c'est chaud quand même. Alors, c'est de récupérer elle. On va essayer de pas faire trop de gâchis. Même si je sais qu'il y en aura forcément, parce que... Parce que j'ai atterri dans la mer et il y a trop de monstres après qui vont arriver. Donc je vais essayer d'en ramasser un maximum. Même si je vous le certifie, je pourrais pas tout ramasser, ça c'est sûr. C'est vachement dur. On se rend pas compte comme ça parce qu'on se dit il n'y a pas trop d'ennemis. Il faut jouer stratégique parce que si on casse le mauvais bloc, SMS. Voilà. Excusez-moi, j'étais en train de lire les SMS. Ok, attendez. Fail. Purée, j'étais déconcentré par le fucking SMS. Hop. Ça fait vraiment des trucs bizarres parce qu'en fait l'eau repop directement après. Bon bah tout ce qui est là-bas c'est perdu. c'est comme ça. Je suis deg mais ça va encore. Parce que j'ai pas perdu grand chose, j'ai perdu 3 blocs. Là j'ai déjà récupéré le plus gros, j'ai déjà un stack, donc c'est pas mal. Je trouve que je m'en tire pas mal pour un truc un peu buggé. Voilà. Oh non. Tac tac tac. Récupérer ça aussi, on va essayer. Ça c'est bien dans Terraria, c'est que vous voyez les instruments sont pas de vie quoi, c'est limité. Ah ça y est, le biome météorite est fini parce que j'entends la musique de Terraria, c'est à dire qu'il reste plus assez de blocs pour en faire un biome. Donc d'ailleurs on a vaincu la météorite, il y avait vachement de météorites hein, vous avez pu remarquer. C'est n'importe quoi ça, franchement faut peut-être qu'ils corrigent un peu ça, même s'ils ont dit qu'ils feraient plus de mise à jour. Je deg. Alors, essayer de la finir quand même un maximum. Ok, on va récupérer ça, il reste 5 minutes. Donc ça va aller. Hop. Hop là. Et vous êtes prêts à que je me fasse violer pour prendre un truc de santé. On pète les blocs et c'est parti. Allez, je vais me faire violer. C'est parti. Attendez, je vais peut-être faire un truc. Un point de potion, on s'en fout. Je vais aller voir s'il y a un coffre au fond. Eh ben non, il n'y a pas de coffre de ce côté-là. Vous voyez, c'est la fin du monde. Hein. Ah. Pas la fin du monde, c'est fini. Hein, enfin si le monde est fini, mais c'est pas parce qu'on va tous mourir quoi. Normalement, je vais quand même essayer de récupérer un maximum encore avant de mourir. Hop là. Là j'ai perdu énormément de vie.
Allez. Faut que je récupère un maximum encore. Et là, ça va, il n'y a pas trop de monstres. Ouais, allez. C'est encore en train de se remplir. Là, pourquoi ça veut pas... Ok. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Alors j'ai pris cher par contre. J'essaie de survivre quand même. Je sens qu'il va y avoir un gros requin dans ma face. Vous savez, les trous qu'il y a là ici, c'est moi qui ai fait, je pense. Mais je pense que j'aurais jamais pu. Parce qu'il y avait que du sable comme vous avez pu le voir. Alors, bah prochain épisode, on invoquera l'armée de gobelins. Voilà. Et... Mais il est con. Il est vite en lui, tranquille, lui. Pas besoin de respirer sous l'eau, hein. Même pas pris de potion. En fait, il m'a tout volé, ça se trouve. Alors, pour notre lit. Moi, je vais vous dire, bah... à plus tard, voilà. On va casser une chaise, tiens. Et voilà. Là, tu peux plus spawner là-dedans. Tu peux plus. C'est plus ta maison. Allez, c'est parti. On se barre. Bah, je vais commencer à repartir, vu que j'ai pas de miroir. Hein. Et voilà, tout simplement. Alors j'ai même pas fait attention que j'aurais pu mourir, vu que ma potion n'était pas terminée quand je suis ressorti. Enfin bref, n'importe quoi, donc il reste 3 minutes, on va revenir à la maison, on va essayer. Voilà. Là c'est des water, des trucs qui font des potions justement. Des herbes là, comme ça qui dépassent. Ah je suis content, on a récupéré de la météorite. Alors peut-être que je vais pouvoir me faire, j'ai combien d'étoiles? Une sur moi, mais j'en ai plein à la maison. Que j'ai pas utilisé, j'ai fait exprès. Voilà, j'ai vu également qu'il y avait du silver un peu plus loin. Shark fin. J'avais pas que ça existait ça. J'ai eu du silver aussi en plein sur le chemin. Quelque part vers là, dans la jungle. Mais je crois que c'est dans l'autre jungle. À côté. Ça c'est de l'iron. On va pas prendre. Tac. Allez, fermé. Le SMS. Oh. Alors, attends, faut passer à corruption je crois. 2 minutes. Et oui, on est chronométré, voilà, petite coupure. Hop là, parce qu'il faut faire des coupures. Sinon c'est comme d'habitude le petit décalage de frappe se craquer. Et oui, c'est pas bien. Mais ils sont méchants aussi. Ouf, encore que je suis retourné à la maison beaucoup plus vite. Mais j'aurais pété ma porte alors. Hop là. Option bientôt finie. Là, il y a de l'iron encore. J'ai jamais pris, hein. On passe souvent devant. Comme moi, parce que à chaque fois je refais le chemin. Hop, ça doit être vers... Alors ils vont me saouler aussi. Alors. Non, ça va, j'ai repris un peu espoir. Hop. Toi, mangeur d'humain là. D'ailleurs, il est là, le silver. À couper 2-3 arbres. Pour pouvoir y aller. Ça a l'air d'être un gros gisement. Voilà, je sais pas ce que tu me voulais. Ah ça. Ah non, c'est de l'iron. Et j'ai pris ça pour rien. Ah, j'étais persuadé que c'était du silver moi. C'est peut-être pas lui en fait. Il semble quand même. C'était sous l'eau, ça c'est sûr. Ouais, je sais plus. Non, non, je sais pas, j'ai cru que c'était du silver, mais en fait c'était de l'iron. D'ailleurs, good moon. Oh bah ce sera le prochain épisode. Good moon. Comme ça c'est fait. Ah c'est même les épis... C'est même les... Ah, on m'appelle. Ah non, c'est fini. Alors attendez, je vais arrêter le chronomètre. Oui, je sais, c'est bon. Merci. Voilà. Alors, on va reprendre, on va retourner dans la maison quand même. Good moon. Ah, ça c'est bon pour faire de l'argent. Là on va enchaîner les copper coins. Enfin l'argent quoi. Ah oui là. Et les blue moon aussi. Ah oui, ça va être bon.
peut-être pouvoir récupérer le vêtement là, le chapeau. C'est obligé même parce que ça spawn pendant la Blue Moon. Les zombies avec des chapeaux. Donc on le tuera. Et on le récupère. D'ailleurs on va acheter ça, ça me sert à rien. Ça. Voilà. Alors j'ai combien d'argent? 53 pièces d'argent. Que ça avance pas très vite quand même. Allez, 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 vite, j'ai un épisode à terminer moi. Ah. Bon, c'est quand même beaucoup plus facile avec avec cette épée. Blue Moon et cette armure surtout. Je prends beaucoup moins cher dans ma tête. Ah, une black lane, ok. Il faut que je me fasse tous les zombies et tous les monstres parce que bah j'ai besoin d'argent pour m'acheter la mini shark ou arm dealer qui va peut-être arriver bientôt. Ou peut-être qu'il est déjà là en fait. Regardez. De toute façon c'est pas grave si l'épisode il dure un peu plus longtemps. Ça doit faire 2-3 minutes déjà qu'il a de trop en rab. Mais bon je vous fais du rab, moi, je suis gentil. C'est tout. Une étoile d'ailleurs. Ah non c'est ma... Alors, normalement, on y est bientôt. C'est juste à côté. Voilà. Alors, on va faire l'inventaire de tout notre inventaire. Potion passage. Ah ouais, 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 ouais. Attendez, attendez, attendez. En fait, on va faire la Blue Moon et après on. Voilà. Bon bah moi, je vous dis salut tout le monde, les amis, et à la prochaine. Ciao.